En 1945, nous avons 13 ou 14 joueurs. C'était des amateurs, en principe. Et il y a 7 joueurs ou 8 joueurs qui ont travaillé, n'est-ce pas, dans les différentes entreprises, qui étaient recrutés grâce à M. Sopin, parce qu'il avait des rentrées dans différentes usines. Et j'ai pris Noé Lhôtes, M. Desjardins et tout ça. Ils sont occupés de placer des footballeurs. Hein, et ça a travaillé à moitié et ça jouait un peu au football. Hein. On s'est entraîné comme on pouvait, quoi. Hein. D'abord, l'entraînement, c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de stade. Il y avait le terrain de la Saint-Pierre et le Métallosport, c'était des terrains bosselés. Et pour arriver, n'est-ce pas, de s'entraîner, il fallait l'autorisation d'un employé de la mairie ou de la mairie ou d'un dirigeant quelconque, n'est-ce pas. Alors, on prenait le vélo, on était parti dans un autre stade pour s'entraîner, vous voyez. Et tout ça aux dépenses de notre santé aussi. Dans les déplacements, on avait quelquefois un petit sandwich, n'est-ce pas, pour faire une casse-croûte, hein, pour venir de Toulon jusqu'à Paris et de Paris à Nantes. On voyageait quelquefois 16-17 heures en deuxième classe. Hein, on était comme des sardines dans une boîte. Et quand on est arrivé, on était moitié crevés, quoi, parce que et l'entraînement commençait le lendemain. Quelquefois, je l'ai laissé au repos un peu parce qu'il faut être humain dans la vie. Voilà. À l'époque, tout reposait, je dois le dire, sur les dirigeants qui étaient, comme ils le sont toujours d'ailleurs, des bénévoles. Mais à l'époque, c'était en plus de bénévoles, c'était vraiment des gens qui apportaient leurs contributions, souvent financières. Et les fins de mois étaient faites souvent avec des chèques de Sopin ou de Le Guillou ou autre. Il faut le dire parce que les recettes étaient insuffisantes. Et les subventions municipales n'existaient pas à l'époque. Je crois que Marcel Sopin, il fallait bien le connaître. Il avait effectivement des coups de gueule. Il avait un abord d'ailleurs assez autoritaire, assez physiquement assez dur, si on veut. Mais il avait le cœur sur la main. Je lui ai jamais, je sais des choses, oui, qu'il a pu faire. Et il a été vraiment, je dirais, très bon, au sens vraiment très généreux, très social. D'aucuns diraient peut-être un peu paternaliste, mais. À l'époque, il faut le dire, c'était pas une terre, hein, au contraire. Il a été social, il est venu en aide à beaucoup de personnes. Hein, et sans que ça se sache, et moi qui étais, je peux me flatter d'avoir été un peu dans son intimité, d'avoir été un ami que j'ai servi loyalement et qui me le rendait, je crois, assez bien, qui me le rendait bien. Il avait confiance en moi et j'ai su beaucoup de choses qui montrent que sous un aspect, si vous voulez, assez rude, sous une écorce assez rude, Marcel Sopin avait un cœur en or et une sensibilité, je dirais, assez exceptionnelle. On a démarré sans subvention, avec des terrains d'entraînement pratiquement inexistants, une époque où la lumière, l'éclairage du stade n'était pas réalisé, et où la concurrence du rugby, comme je vous signalais tout à l'heure, était extrêmement vive. C'était une période très difficile avec des moments d'espoir et d'autres moments, sinon de découragement, du moins une certaine impuissance. Et il y a eu pas mal d'entraîneurs qui se sont succédés. Tantôt on croyait arriver à la première division, tant attendue, puis
des événements, souvent des blessures, des événements imprévus nous ont empêchés d'atteindre cette première division. Je suis entré au club en novembre 58 à l'appel de M. Stéphan qui assurait non pas la présidence mais qui réglait les affaires courantes. Le club était à cette époque un peu en déconfiture. Bon, il n'y avait plus de comité de gestion élu, que des bonnes volontés. Donc je suis allé à cette réunion en novembre 58, avec Louis Fontenot d'ailleurs, et un certain nombre d'amis qui étaient présents et qui ont accepté de faire preuve de bonne volonté. Cette bonne volonté m'a piégé puisque en février 59, c'est-à-dire 3 mois après, j'ai été élu à la présidence du club avec Louis Fontenot comme vice-président et qui est resté avec moi pendant 10 ans et ensuite qui a pris la suite. L'équipe faisait de son mieux, elle était entraînée à cette époque par Louis Dupal. Qui d'ailleurs est resté 6 mois et a été remplacé par Miklowski qui venait du SCO d'Angers, qui lui-même est resté une année, c'est-à-dire la saison 59-60 et qui nous a quittés sans coup férir et sans préavis un mois avant le démarrage de la saison 60-61, époque à laquelle est arrivé José Arribas. Il s'est trouvé dans les jours qui ont suivi le départ de Miklowski un certain nombre de propositions d'entraîneurs qui ne me donnaient pas satisfaction parce qu'il y avait parmi eux un certain nombre de vieux chevaux de retour. Et je me suis ouvert de mes préoccupations à Henri Guérin qui entraînait à cette époque le Stade Rennais. Et c'est Henri Guérin, tout le mérite lui revient, qui m'a indiqué José Arribas, le connaissant comme joueur, et l'ayant suivi à des stages d'entraîneur, et m'indiquant que José Arribas était un garçon, un pédagogue, un garçon qui avait beaucoup de compétences, mais à qui on n'avait pas donné sa chance. Il entraînait une petite équipe de la Sarthe, et sa femme tenait un café, enfin, il vivait à ce moment-là très, très chichement. Donc, nanti de ces renseignements, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé José Arribas en préavis, qui m'a répondu une heure après. Je lui ai demandé de venir me voir le lendemain, et en une demi-heure, nous nous sommes mis d'accord. Donc José Arribas est rentré dans le club et il l'a quitté, je crois, 15 ans après. Voilà, j'étais en train de finir ma carrière de joueur-entraîneur. J'avais fini un contrat que j'avais à Noyens-sur-Sarthe, où j'étais joueur-entraîneur, je répète. Et je ne m'étais pas mis d'accord avec mon président, il y avait une question de commerce, on ne s'était pas mis d'accord. Et j'ai vu dans la presse que Miklowski, qui était entraîneur à Nantes, s'en allait. Je posais tout bêtement ma candidature par voie de lettres. Et j'ai appris par la suite que le hasard, le bon hasard, ou le dieu des sportifs, avait voulu que Henri Guérin passe par là, parce que, bien évidemment, ma candidature n'était pas la seule. J'étais absolument pas connu à l'époque. Mais Henri Guérin me connaissait parce que j'avais été entraîneur 2 années à Saint-Malo. Il m'avait vu travailler, il me connaissait comme joueur. Et il leur a dit, moi, de tout ce tas que vous avez, c'est à celui-là que je donnerai sa chance. Vous ne le connaissez pas, moi je le connais.
Je crois qu'il mériterait que vous lui donniez sa chance. Voilà, c'est comme ça qu'elle suis venue au Fondateur de Nantes. Et Jean-Claire Feuille a dit oui tout de suite. Votre première entrevue avec Jean-Claire Feuille? Je reçus une lettre du Fondateur de Nantes pour me présenter. Mes exigences n'étaient pas très, très grandes puisque j'ai débuté. Monsieur Clairefeuille et le club m'a paru sérieux et honnête. Ça s'est fait sans aucune difficulté. Alors, je me suis rendu compte que c'était un club qui était en seconde division et qui le semblait installé pour toujours. Aux yeux de tout le monde, il semblait que Nantes c'était une équipe de deuxième division à vie, qu'elle ne pouvait pas espérer mieux et qu'elle se trouvait bien. Ce qui concerne les mots, en arrivant, j'ai demandé aux garçons sous quelle organisation de jeu ils jouaient. Et ils m'ont dit, le classique WM, c'est ce qui était utilisé un peu partout à l'époque, tous les clubs. Bon, mais ça vous va? Oui, vous en sortez bien? Ben oui, assez bien. Vous voulez qu'on change quelque chose? Non. Alors, on est parti en WM. Puis est arrivé que le début de saison a été quelconque, mais très rapidement, on a eu des difficultés en défense. Dans ce sens-là, qu'on jouait assez bien, on réalisait un peu moins bien, mais par contre, on fuyait considérablement dans les lignes arrières. Puis un beau jour, on s'est déplacé, je pense que j'étais là depuis 2 mois à présent, on s'est déplacé à Boulogne. Ça mérite d'être souligné, et nous avons pris 10 buts. 10 buts, ça, c'est quelque chose en deuxième division. Hein. En plus, c'est ce qui fait le changement, car ça a été une étape importante dans l'histoire du football club de Nantes. Non seulement nous avons pris 10 buts, mais nous n'avons pas été totalement ridiculisés, nous n'avons pas été complètement dépassés sur le terrain. Le dirigeant qui m'accompagnait, c'est M. Charles Mandrier, il est décédé. En venant sur le voyage, vous pensez qu'on n'a pas fait un bon voyage retour dans le train, on a parlé toute la nuit, et il disait comment on va expliquer ça au comité, qu'est-ce qu'on va mettre en avant comme argument. Il dit, Monsieur Arribas, moi je mettrai tout ça sur le jeune. Le jeune, c'était un gardien de but qu'on avait amené, s'appelait Lepage. Il était peut-être fautif sur 1 ou 2 buts sur la dizaine, mais ce n'est pas à lui qu'on pouvait impliquer la catastrophe. Hein. Et moi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Premièrement, parce que c'est injuste, vous le savez bien. Et puis ensuite, ça n'arrangera rien. Hein. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il voulait faire? Moi, je dis, je me donne encore un match ou deux pour savoir si ça continue, parce qu'il y a eu déjà le match précédent. Je changerai carrément d'organisation de jeu. Alors, c'était bien sûr, pour lui, c'était un peu inconnu. Je dis, comment vous allez faire? Eh bien, puisqu'à 3, on ne s'en sort pas, on va jouer à 4 derrière. Comment ça, à 4 derrière? Je dis, oui. Vous savez, ce qui nous arrive, c'est que nous avons 2 arrières d'ailes qui sont des anciens attaquants, qui sont portés beaucoup à la contre-attaque, à l'offensive. À l'époque, c'était pas très courant. Alors, ce n'est pas mauvais, c'était Carpentier et Baloche. L'un était ancien avant-centre, l'autre était ancien ailier gauche. Alors, ça me dérange pas qu'ils soient des bons contre-attaquants. Ce qui me dérange, c'est que, par contre, lorsqu'ils s'en vont en contre-attaque, lorsqu'on est pris, lorsque l'adversaire a repris le ballon, qu'il a intercepté, Mon demi-centre, c'était le demi-centre à l'époque, hein. Mon demi-centre n'est pas en mesure de couper sur les contre-attaques, sur les ailes, parce que c'est un bon joueur, mais il ne va pas très vite, c'était Colleri. Et ce qui s'était passé à Boulogne, on avait pris, je vous dis, 10 buts, mais pas en étant totalement inexistant au point de vue football. Alors, il m'a dit, comment vous allez faire ça? J'ai dit, je me donne quelques temps pour expliquer aux garçons, et j'attends...
les prochains matchs. Le match d'après, je crois qu'on allait à l'Est, où on a peut-être joué un match entre les deux à la maison, mais le déplacement suivant, c'était à l'Est, et on a de nouveau pris 5 buts. Alors là, ça a été la décision qui fait date dans l'histoire, si vous voulez. Le Football Club de Nantes s'est mis au 4-2-4 à cette époque-là, à partir de ce match-là, à partir de ce début de Boulogne, si vous voulez. Et curieusement, on a dit par la suite que c'était une décision vers l'offensive. Au contraire, au départ, la première intention, c'était justement de boucher l'hémorragie derrière pour jouer à 4. Et puis, au retour de vacances, je pensais que quelque chose de nouveau s'était produit, qui avait transformé beaucoup de choses dans l'équipe, dans le club, dans les terrains d'entraînement. Puis la seule modification qu'il y avait, c'était la main courante qui avait peinte en blanc, qui avait des peintes en blanc. D'ailleurs, je crois, par la suite, j'ai tiré la conclusion suivante. Comme on avait monté avec une équipe qui était un peu vieille, et comme on n'avait pas fait de garçons comme Strap, comme nous n'avons pas gardé d'ailleurs, c'était déjà des anciens joueurs. Tout dans la vague qui a fait le Football Club de Nantes très bon dans les 2-3 années qui ont suivi, il n'y avait que quelques-uns, c'est-à-dire Chiodeau, le Chenadec, Blanchet. Les autres, c'était des anciens qui ont assez rapidement fini. Alors, vu l'âge de ces garçons-là, vu le peu de recrutement par obligation, ont obligé à aborder cette première saison pratiquement avec la même équipe, en comptant un peu sur les jeunes qu'on avait derrière. Et on n'y a pas cru, on a cru que le Football Club de Nantes, depuis 20 ans en seconde division, il était monté, mais que ça n'était qu'un court passage, qu'il allait descendre tout de suite. Moi, j'avais l'impression que c'était l'idée qui se dégageait de tout le monde. Ça a dû être dur moralement, quand même. Ben oui, je vous dis que pour moi, ça a été une déception assez importante. Mais très rapidement, par contre, alors je me suis rendu compte que les gars qui avaient monté avaient progressé très rapidement, que des nouveaux qui nous étaient venus, Simon était venu de nouveau, on avait récolté Gondé, on avait dû faire débuter très rapidement Grabowski, Demichel nous était arrivé, et Buzinski, qui était réserviste à Lens, est venu. Et très rapidement, je me suis rendu compte que cette équipe avait de la qualité. Très probablement, ça nous a mis de la conviction dans nos idées en ce qui concerne beaucoup de valeurs. Le sens collectif dans le football, le sens de l'amitié en tant que groupe, la valeur d'une certaine organisation de jeu, je pense aussi la valeur de l'entraînement, tout ça, le vérifier et le confirmer par un titre, en parlant entre nous, je crois que ça a eu beaucoup de poids par la suite. Mes souvenirs sont bons et vérifiés par la suite et comparés par la suite, je me suis rendu compte qu'on s'entraînait très très bien. On m'a dit quand j'étais à Lille, des techniciens m'ont dit qu'à cette époque-là, le Football Club était un peu en avance sur les autres clubs. Et moi je dis, on était probablement... Alors, on attachait ça à l'organisation, on attachait ça à la valeur du jeu d'ensemble, pas seulement en tant qu'organisation statique, mais dynamique. Et moi, je dis, ne nous trompons pas, je crois qu'il y a aussi la valeur de l'entraînement. Non pas, je ne dis pas ça en tant qu'entraîneur, mais en tant que groupe qui s'entraînait remarquablement bien. Par la suite, je suis resté encore 12 ans de plus.
Enfin, oui, Renat, 12 ans de plus, on s'est toujours entraîné assez bien, mais aussi bien que cette année, quelques fois, mais pas souvent. Il y a l'organisation de jeu. C'est un facteur important dans ce rendement très très bon de l'époque. Il y a aussi le fait que cette organisation avait un peu d'avance sur son époque. Il y a aussi le fait que le groupe de joueurs s'est comporté d'une manière très très intelligente en cours de match, notamment pour s'appuyer sur le hors-jeu. Il y a aussi un fait, et celui-là, il n'est pas mesurable, si vous voulez, c'est les progrès. Dans cette équipe, la plupart des garçons qui la composaient étaient sortis, comme moi-même, de rien dans le football. Buzinski était remplaçant quand il est venu chez nous. Müller était laissé pour compte à Strasbourg. Simon n'avait jamais été qu'en deuxième division à Cherbourg. Siodo venait de Cholet. Le Chenadec venait de Cholet. Siodo était probablement le seul qui avait quelques titres. Il avait été international amateur. Mais il venait de Cholet, de chez nous déjà depuis 3 ans. Le Chenadec venait de son Croisic natal. Gondé venait de Blois. Et Boukalfa qui était encore avec nous, et tous ces garçons-là ont monté avec le Football Club de Nantes de la deuxième division jusqu'au titre. Et ça crée une sorte de smos, une sorte de un phénomène de cohésion, un phénomène de solidarité, un phénomène d'amitié qui dure aujourd'hui. Ce qui montre la valeur de cette époque-là. Aujourd'hui, tous ces garçons se voient, se réunissent, font des voyages ensemble. C'est ce groupe-là qui est resté uni, qui est resté solidaire, qui est resté ami. Et ça, je ne dis pas que c'est le facteur le plus important, mais je ne suis pas loin de le penser. C'est la récompense d'un travail effectué par toute une bande de copains. Et le terme vraiment prenait son plein sens lorsque je dis bande de copains, parce que Suarez-Bas a fait son recrutement autour de gens qui étaient de la région. Ça a été de Gondet de Blois, de Bernard Blanchet au Croisic, Simon Cherbourg. Et puis les régionaux aussi, comme le Chenadec et on, bref. Et puis on était jeunes, ambitieux, mais pas ambitieux comme on peut l'être aujourd'hui. Ambitieux de résultats uniquement sportifs, et puis sans qu'on se casse trop la tête sur ce qu'on pouvait gagner ou pas. L'important, c'était de se retrouver ensemble et de construire des victoires. Et là, je dois dire que... Aussi bien dans la conquête de ces victoires que dans les retours de déplacement après une victoire ou dans les troisièmes mi-temps, j'ai vécu des moments mais formidables. C'est mes plus beaux souvenirs sont là, hein, assurément. Müller, c'était une pièce importante chez nous. Müller venait justement de Strasbourg. À l'époque, il n'y avait pas la possibilité de faire entrer le 12e homme. Hein. Si un gars était blessé, ben, vous continuez à 10. Hein. Et Müller a été blessé très rapidement. A été blessé pourquoi ? Parce qu'il y avait la guerre entre Strasbourg et nous, c'est possible.
parce qu'il n'aurait pas dû jouer ce match-là, c'est encore possible, mais sans, je ne donne pas crédit à cette chose-là. En fait, c'est que nous avons joué avec une pièce importante dans l'équipe, mais une pièce qui ne tournait pas. Et Strasbourg, ce match-là, s'est montré plein de réussites. Le Football Club de Nantes, que ce soit parce qu'il s'était décompressé, c'est possible. Par la suite, il m'est arrivé d'être dans les mêmes conditions. Dans d'autres situations, penser qu'il fallait essayer de garder les gars sous pression, je fais allusion là au titre, au fait d'être champion et avoir à jouer la Coupe 15 jours après, ou la finale de la Coupe quelques jours après, ou d'autres compétitions comme ça. Hein. Et aujourd'hui, je pense très sincèrement qu'il faut pas, et que c'est difficile, qu'il ne faut pas se laisser décompresser l'équipe, qu'il faut garder les gars sous pression, et qu'à la rigueur, il est préférable de continuer à jouer des matchs importants plutôt que le contraire. C'est difficile. Alors là, je crois que de tous mes souvenirs, c'est celui-là qui est vraiment et de loin le plus mauvais. D'abord parce que nous étions absolument persuadés que nous allions conquérir cette Coupe de France et nous en étions donc très heureux. Nous savions que nous sortions d'une saison tout à fait exceptionnelle où nous avons terminé le championnat tranquillement, haut la main. Et je crois qu'il était possible et il était dans nos cordes de survoler ce match contre Strasbourg. Or, c'était l'époque où malheureusement il n'y avait pas de remplaçant et dès la 4e ou 5e minute de jeu, nous avons perdu notre stratège, Ramon Müller, qui a été, contrairement à tout ce qui a pu être dit par la suite, gravement blessé d'une déchirure qui l'a maintenu loin des terrains pendant plusieurs mois. Et nous n'avons pas réussi à vaincre cette équipe. Et déjà là, nous avons eu, je crois, un avertissement qu'aujourd'hui encore, l'équipe ou le Football Club de Nantes a du mal, tout au moins a du mal à en tirer les conséquences, à savoir qu'une équipe possédant des qualités morales et une rigueur totale, ce sont des qualités tout au moins qui sont absolument indispensables pour réussir au plus haut niveau. Et là, ce jour-là, je crois qu'on en a beaucoup souffert. Vous vous souvenez très bien de ce coup franc de Sbaïz? Ah oui, on s'en souvient. Je m'en souviens d'autant mieux que c'est celui qui nous a crucifiés. Et ça vient d'abord sur une faute que personnellement j'effectue sur José Farias. Et c'est un coup franc qui, malheureusement, comme d'habitude de notre part, peut-être pas comme d'habitude, mais que nous avons pris relativement à la légère puisqu'il était tiré de 27-28 mètres. Et Sbaïz a pris son élan et a frappé droit. Nous n'étions ni parfaitement concentrés sur le sujet parce que je crois qu'on pouvait parfaitement arrêter ce ballon. Daniel, qui était dans les buts, n'a pas réussi non plus à le capter. D'autant plus que, je vous dis, dans le mur, nous étions pas concerné en fait, et c'est tout à fait dramatique quand on imagine que c'est une finale de coupe. Et en première mi-temps, nous avons dominé copieusement une équipe de Cannes qui était bonne, mais qui jouait le jeu. Hein. Et le résultat n'était pas très bon à la mi-temps. Et la tenue de l'équipe, si elle était bonne jusqu'au 18 mètres, elle était moins au 18 mètres parce que tout le monde cherchait à faire marquer Gondé. Et moi, je me suis un peu fâché à la mi-temps en disant hey, on est en train de jouer bêtement parce qu'à force, de vouloir battre ses records et faire jouer et de faire marquer Philippe, on va finir par que personne ne marque, ni Philippe ni les autres. Alors, ne vous occupez plus de cette chose-là. Ça viendra tout seul si on joue comme d'habitude, si on n'y pense pas. Hein. Et puis, je ne dis pas que j'avais raison, mais enfin, c'est des choses qu'on dit à la mi-temps. Hein. Et puis, ça s'est passé un peu comme ça, en seconde mi-temps, un peu parce que Kahn a baissé le pied, un peu peut-être parce que nous, on a haussé le ton. Il a fini on a fini par mieux jouer, par prendre le match en main, par prendre la marque et par faire marquer à Gondé le but qu'il lui fallait. Et à l'occasion de ce but marqué, Eon a fait un saut de joie dans ce but, il a sauté très haut, il s'est réceptionné et à la réception,
il s'est pété les tendons d'Achille. Ah, ça, c'était une grande tristesse pour tout le monde. C'est un mauvais souvenir pour moi. Philippe devait marquer deux buts pour être meilleur buteur de tous les temps en France. Et nous jouions à Cannes un match complètement sans importance pour l'équipe en général, puisqu'on avait 6-7 points d'avance et qu'on était déjà champion de France. On a donc fait ce match pour faire marquer des buts à Philippe. En deuxième mi-temps, on a commencé à marquer des buts. Et lorsque Philippe a marqué son deuxième but, j'étais au milieu du terrain, pratiquement à épauler mon équipe. Et j'ai eu un mouvement de joie, j'ai sauté vers lui comme tout le monde pour le féliciter et je me suis rompu le tendon d'Achille. Alors c'était un très mauvais souvenir parce que ça se présentait 15 jours avant la Coupe du Monde où je devais jouer et malheureusement j'ai loupé cette Coupe du Monde en Angleterre. Mais après cette blessure, j'étais donc arrêté pendant 9 mois. J'ai rejoué en première division avec Nantes à peu près un an après. Et à la fin de la saison, donc 68-69 je crois, les résultats de l'équipe étaient moins bons et le président de l'époque a commencé à vendre quelques joueurs parce que nous ne bénéficions pas du contrat à temps. Donc Jackie Simon est parti, le Chenadec est parti et puis moi on m'a dit qu'il fallait que je parte aussi. Ce deuxième titre, c'est des coupes perdues. La Coupe du Monde en Angleterre avec ses retombées sur le football français, des retombées qui n'ont pas été très drôles. Quelques événements qui se sont produits au sein du club en ce qui concerne les renouvellements, les modifications de salaire, des tas de choses ont eu des répercussions sur un groupe qui l'ont incontestablement, et c'est humain, je pense, un peu amoindri. Si j'oserais une image, je dirais qu'avant cette Coupe du Monde, il n'était jamais question d'argent, il n'était jamais question de primes, il n'était question jamais de sélection ou autre chose. Cela venait tout naturellement sans que personne analyse la chose. Par la suite, et à la suite de cette Coupe du Monde et à la suite de ces succès répétés, ces choses-là ont pris de l'importance dans l'esprit des garçons, dans l'esprit de tout le monde, dans l'esprit dirigeant, probablement dans mon esprit, à moi-même également. Très bien. La première saison qu'il a été chez nous, il a souffert terriblement de l'adaptation, de l'acclimatation. Vous savez que c'était un méridional, il venait de Aix, et il a passé une partie de la saison à ne faire que des fractions de matchs. Il en a terminé très très peu. Et il est vrai aussi que je l'ai promené un peu à tous les postes parce qu'il était capable de jouer un peu partout et que compte tenu de sa forme physique qui n'était pas parfaite, compte tenu de son manque d'acclimatation, il a plutôt fait une saison d'apprentissage, malgré qu'il savait déjà presque tout, que des services il nous a rendus. En même temps que lui, pour jouer au milieu, le fois qu'il a joué au milieu, on a fait venir Kovacevic. Et Kovacevic était un de ces transferts qui promettait beaucoup, qui ont tenu beaucoup moins. Question de, pour lui aussi, question d'adaptation, question de changement de jeu, changement de partenaire, changement d'entraînement. Alors, ces deux garçons-là qui en valeur absolue, en talent pur, en possession de tous leurs moyens, auraient dû faire des relayeurs de toute première valeur, n'ont fait qu'une saison en dents de scie et pas très 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 constante et très bonne, beaucoup plus par manque d'adaptation qu'autre chose. Ils ont joué tous les deux très en dessous de sa valeur.
Et c'était le commencement de l'ère des vedettes, hein, finalement. Après, ça s'est accentué et c'est ce qui a fait du mal de toute façon, et c'est ce qui fait du mal à ce sport en général. À la condition que ces vedettes restent des gens très intelligents. Il n'en manque pas, hein. Il n'en manque pas, mais enfin, il y en a quand même quelques-unes qui s'égarent. Hein. Et c'est dommage. Non, je ne voudrais surtout pas parler de ça. Je dis, pour moi, c'est la réunion de tous ces gens, l'épanouissement de tous ces garçons dans un esprit formidable, des souffrances aussi, parce que on s'est fourvoyé aussi, nous, à un certain moment. On s'est égaré et on n'a pas su écouter suffisamment à ce moment-là la sagesse et la force de Monsieur Arribas, ce qui a fait que c'est peut-être aussi dans la nature des choses que fallait que ça explose à un moment ou à un autre. Difficile de garder un groupe dans son unité complète au-delà de 4-5 ans. Très difficile. Ça aussi, c'est une expérience de plus pour moi. Surtout qu'il y avait la Coupe du Monde en 66, il y a eu les sélections. C'était un des détonateurs de l'explosion de l'esprit de notre équipe. On était très fort dans notre collectif à travers, je vous dis, cette camaraderie, cette unité de pensée que l'on avait de communier entre nous, de nous serrer les coudes. Mais individuellement, on n'était pas préparé. Individuellement, on n'était pas préparé. Et en Coupe d'Europe, ça laissait apercevoir que dans des matchs comme celui-là, vous étiez confronté avec des duels où forcément la personnalité du joueur, son caractère, intervenait beaucoup. Et le refuge de la collectivité ne pouvait plus exister. Pas confronté avec ce genre de problème suffisamment tôt, sans doute dans les procédés d'entraînement ou dans d'autres expériences plus enrichissantes, dans les contacts qu'on aurait dû avoir avec l'étranger, qui fait que là, c'était un peu la faillite. C'est pourquoi des garçons comme Gondet, qui se détachaient un petit peu du collectif, qui étaient plus individualistes dans son genre, faisaient qu'ils s'en sortaient mieux que d'autres. Daniel Léon aussi, c'est les postes qui voulaient qu'eux s'en sortaient mieux. Nous, on se fendait un peu trop dans le collectif. Le collectif contrait, c'était un peu la faillite. Il y a eu des voyages, un voyage intéressant, c'est Reykjavik, parce qu'on a survolé les volcans. C'est des souvenirs, ça. En fait, nous, on faisait du tourisme hein, en même temps. Hein. Sur le plan culturel pour nous, qui sortions de petits bleds, tous avec un bagage intellectuel, CAP, brevet, pas plus haut que ça, on s'est enrichi d'une manière formidable. Et puis on était avide de ça, d'ailleurs. Et puis de côtoyer tellement de gens, parce que c'était la période où les gens commençaient à bouger quand même beaucoup. Et on en a profité, nous, encore plus que d'autres. C'est ce qui fait que Dans notre personnalité, peut-être, on s'est découvert un peu plus que si, sans doute, on était resté, moi, à Cholet et d'autres ailleurs. On ne peut pas le prétendre, on ne peut pas le certifier, mais vraisemblablement quand même. Ça nous a mieux préparés à la vie qui est celle d'aujourd'hui, sans doute. Mais dans son désir de bien se chauffer, c'est un garçon extrêmement consciencieux. S'il n'y avait que des garçons comme ça, le métier d'entraîneur serait un rêve. Hein. Il s'était échauffé tellement consciencieusement, avec un tel désir de bien se préparer au match qu'il allait jouer, qu'un quart d'heure avant de jouer, il est rentré au vestiaire en disant « Coach, je sais pas, je viens de me faire mal au genou ». Je lui ai dit, comment ça s'est passé, Paul? Il m'a dit, j'ai effectué un saut en extension et puis je me suis reçu en flexion et j'ai eu très mal au genou. Alors ça s'explique, hein, c'est un garçon qui pesait près de 80 kilos, qui avait une puissance musculaire faramineuse, il a dû sauter très haut, il s'est reçu en flexion et son ménisque avait tout simplement jailli sur le côté.
bien sûr, il n'avait pas perdu. Il était resté, mais il était même apparent. Alors je lui ai dit, viens voir le masseur. Bretodo l'a regardé et il m'a fait une grimace inquiétante. Et il a dit, bon, ben va continuer à te chauffer, mais si tu sens la moindre douleur, tu arrêtes et on te fait remplacer. Je n'avais pas de remplaçant. À l'époque, j'avais un remplaçant seulement, et ça, ce n'était pas un attaquant, c'était pas quelqu'un qui me convenait. Alors j'ai fait signe à Eo, qui était dans les tribunes, qu'il descende tout de suite. Et Courtin a continué à se chauffer jusqu'à l'heure du match, et il est rentré en disant « ça va très bien, c'est plus mal, j'ai fait la même chose, ça va très bien ». On a poussé un grand soupir, et Bretodo m'a dit, j'ai eu peur, je croyais qu'il avait fait désinsérer son ménisque. Alors j'ai dit, il peut faire ça sur un simple saut. Et oui, la preuve. Bon, bien, fausse alerte, on croyait fausse alerte. Il s'est agenouillé pour prendre la photo d'avant-match, puis il n'a jamais pu se lever. Alors j'ai fait retarder le match un peu, j'ai demandé à l'arbitre d'attendre quelques minutes pour qu'Eo puisse prendre sa place. Et le dernier match aller juste avant la trêve au mois de décembre contre Monaco, et où je partais avec Henri Michel, j'étais son témoin pour son mariage, car Henri s'est marié très jeune finalement. À Aix-en-Provence, nous avions rempli déjà le coffre de nos affaires et nous partions immédiatement après les matchs pour Aix-en-Provence en voiture. Et malheureusement pour moi, ce match a été quasiment le dernier au niveau de la compétition. À peu près la 20e minute de jeu, il y a eu un choc malencontreux avec un joueur monégasque qui s'appelle Simian, qui a eu peur de mon tacle et qui est retombé les deux pieds en avant sur mon tibia, et où malheureusement le porte-à-faux, d'abord parce que j'avais le talon de planter dans le sol, et aussi et surtout parce que l'un des crampons de Simian s'est enfoncé dans mon tibia, et il a permis, hélas, une fracture ouverte extrêmement compliquée qui m'a tenu éloigné du terrain un peu plus de 2 ans et qui a mis un terme définitif à ma carrière de sportif de haut niveau. J'ai repris beaucoup trop vite, et lors d'un entraînement avec un choc qui somme toute était tout à fait secondaire, avec un ballon tiré par le Vavasseur, mon tibia a à nouveau cédé, et ça a été la deuxième alerte qui a fait que j'ai arrêté définitivement, car il était évident que si je voulais reprendre, il fallait à nouveau faire vite, et malheureusement faire vite sous-entendait une troisième fracture qui aurait pu être, elle, d'une gravité exceptionnelle, puisqu'on me menaçait éventuellement de me couper une jambe, ce qui n'est pas rassurant aujourd'hui, rétrospectivement. J'exprimais véritablement bien toutes mes qualités dans le contexte du jeu d'une équipe qui se voulait être très collective. Or, il s'est trouvé que manifestement, l'unité collective s'est mal faite, et que les options prises par les joueurs du moment n'étaient plus du tout les miennes. Ce qui fait qu'il y a eu, beaucoup d'incompréhension entre mon jeu et celui de mes partenaires, et je pensais être dans le vrai, mais je jouais à contresens quand même par rapport à... Pour moi, non, c'était la vérité, je pense que pour M. Arribas aussi. Mais l'entente dans ce jeu-là ne se faisait plus. Les enchaînements, les automatismes ne s'impliquaient plus parce que les options de mes partenaires étaient différentes. Et il s'est trouvé à partir de là que j'étais celui qui faisait beaucoup de mauvais passes. Alors, mauvais passes, trop de mauvais passes, le public ne le pardonnait pas. Et c'est vrai qu'il m'a pris en grippe. Et puis il fallait bien trouver un. C'était derrière une période riche. Ils sont tombés sur le plus pauvre, peut-être. Ou celui qu'ils méritaient le moins, j'en sais rien. Mais il fallait qu'ils en trouvent un. Et c'est tombé sur moi. Alors c'est vrai que ça m'a diminué, ça m'a éprouvé terriblement. Et que je ne souhaite certainement pas à l'un de mes joueurs aujourd'hui d'avoir entendu ce que j'ai pu entendre.
Probablement, il y avait une vingtaine d'équipes qui méritaient d'aller en finale, beaucoup plus que le Football Club de Nantes. Mais nous avons eu la chance au tirage au sort. Chaque fois, on est tombé sur l'équipe la plus faible du lot ou sur l'équipe qui avait des problèmes ou des blessés, des indispositions. Enfin, bref, chaque fois, on a passé, et très souvent grâce à un bon coup de pouce de la chance. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés en finale. Je crois bien qu'en tout et pour tout, il y avait deux mi-temps dans tout ce match de qualification qui m'avaient donné des satisfactions par la qualité du jeu, pour la qualité du match, en tout et pour tout, pour aller en finale. Puis en finale, on se trouvait contre Saint-Étienne. Et le résultat, bien, c'était très exactement la différence qu'il y avait entre le bon Saint-Étienne de l'époque et le Nantes très faible de cette année-là. Mais je crois qu'on a eu un déclic qui s'est passé vers octobre, novembre, où nous avons joué à Lyon, devant les caméras de la télévision en plus, et où si mes souvenirs sont bons, on a dû gagner quelque chose comme 5-2 ou 4-1, après avoir été mené. Et je crois que le titre de l'équipe était le lundi, ils s'en foutent, c'est Nantais, quelque chose comme ça. Et là, ça a été vraiment... la concrétisation de tout ce qu'on sentait et qui a été confirmée par la suite. Il me semble que nous avons joué Strasbourg, où on a dû gagner quelque chose comme 6-2 aussi. On commence à accumuler les matchs avec des scores importants et fleuves. Ça donne une confiance extraordinaire et on se met à tenter des choses très difficiles qu'on réussit. Le quart de finale contre Saint-Étienne, alors que nous avions perdu au match aller 2-0 à Saint-Étienne. Nous devions absolument gagner par plus de 2 buts d'écart à Nantes. Et à la fin des temps réglementaires, nous menions déjà 3-1. Donc il y a eu les prolongations. Quatrième but, je le marque, je me souviens, avec une liesse extraordinaire dans le stade. J'avais jamais vu un stade aussi répondant, chauffé à blanc. Et après, Henri Michel avait corsé l'addition en mettant un cinquième but. Et je me souviens, j'étais revenu au terrain, du terrain jusqu'au vestiaire, à genoux, puisque j'avais promis que si nous qualifions, je reviendrais à genoux au vestiaire. Et pour moi, je crois que c'est une soirée inoubliable, et je pense aussi pour beaucoup de Nantais, qui me le rappellent chaque fois que je viens à Nantes. Le contrat, et le club m'a proposé un contrat d'un an. Je me suis étonné. Et ils m'ont rétorqué que tous les techniciens du club, c'était une mesure prise par les clubs, que tous les techniciens du club seraient à un an de contrat. Tous les contrats se termineraient chaque saison. Alors moi, j'avais demandé la raison, ils m'avaient dit, c'est parce qu'on pense qu'un technicien travaille mieux lorsqu'il a un contrat qui se termine chaque année. Ça l'oblige, ça l'aiguillonne un petit peu. J'avais dit oui, mais... Si lorsque vous prenez un étranger, ça va de soi qu'on puisse concevoir une théorie pareille. Lorsque vous débutez avec un entraîneur dont vous n'êtes pas très sûr, même s'il n'est pas étranger, on peut admettre un raisonnement comme ça. Mais je dis, un garçon comme Osiodo, que vous connaissez à présent depuis près de 15 ans, qui est collaborateur. Ah, mais il m'avait dit, Siodo, c'est pareil, il sera en fin de contrat la saison prochaine, et il sera en fin de contrat chaque saison. Il y a un garçon comme ça, Eta, qui vous connaissez depuis 12 ans. Ça sera pareil, c'est une mesure. Bon, ben, je m'étais peut-être un peu précipité, peut-être un peu érigé contre cette chose. J'avais dit, bon, autrement dit, je serai en fin de contrat la saison prochaine. Il m'avait dit, oui, comme tous les techniciens. Bon, ben, j'avais dit... Si je trouve quelque chose cette année, je m'en irai dès cette année. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit, voilà, j'ai trouvé quelque chose, je m'en vais. Je n'ai pas le droit de vous dire où, mais je vous quitte. Alors
prenait les dispositions. Alors, sur le coup, il est resté un peu démonté. De toute évidence, je le prenais de court. Et deux ou trois jours après, le championnat devait être déjà fini. Et dans une conversation que nous avons eue tous les deux, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à présent sans vous? Je dis, vous n'aurez pas de mal à trouver, et puis vous avez sur place ce qu'il vous faut. Alors, il m'a dit, Chiodo, il est trop copain avec le comité, pense qu'il sera trop copain avec les uns, qu'il est trop près des joueurs, qu'il n'aura pas assez. Enfin, il a mis des arguments. Alors, il m'a dit, on s'oriente plutôt vers un étranger. Il m'avait dit textuellement vers un Yougoslave, j'avais dit, écoutez, c'est la dernière chose que vous n'allez pas faire à Nantes, de prendre un étranger. Moi, je donnerais sa chance à Chiodo, je le connais bien. Et Chiodo était venu me voir et il m'avait demandé, qu'est-ce que vous pensez de, est-ce que je peux prendre l'équipe? Je vais vous dire très textuellement et très franchement ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, tu sais, tu as dans l'équipe un tel et un tel et un tel qui sont à fin de contrat. Il y avait 5 gars à fin de contrat. Pour Osman, je crois qu'il y avait Osman dans le... Pour Osman, pour Bertrand de Man, pour Rio, il n'y a pas de problème, c'est des garçons qui vont re-signer. Par contre, il y a des très très grosses difficultés pour faire re-signer Rampillon et Henri Michel, qui étaient à fin de contrat. Alors voilà, si tu restes et que ces deux gars-là restent, tu n'auras aucun problème et tu peux te lancer les yeux fermés dans cette nouvelle prise de situation. Par contre, il faut absolument qu'ils te gardent ces deux joueurs parce que, premièrement, c'est eux qui t'ont fait le jeu, c'est eux qui t'ont marqué les buts. Non seulement ils faisaient partie de l'assise du jeu nantais, mais par-dessus le marché, c'est eux qui la rendaient aussi efficace. L'un avait marqué, je sais pas, à eux deux, ils avaient marqué pratiquement les 4/5 de buts de l'équipe. Et on a dit, compte tenu de cela, si ces deux gars-là restent, c'est une situation que tu peux prendre sans aucune crainte. Ça, j'avais dit à Chiodo. J'étais d'ailleurs très étonné parce que je suis parti, quelques jours après, je suis parti en cure, à Amélie-les-Bains. Et le premier jour de cure dans Amélie-les-Bains, je buvais un rafraîchissement avec ma femme à une terrasse et il y a un gars qui m'apostrophe, qui me dit « Ah, vous voilà, vous, je ne le connaissais pas, ah, vous voilà, vous nous avez fait vel, vous nous avez piqué notre entraîneur. Ben, » Je dis « Oui, je suis un tel du comité de Lorient. » « Ah, mais alors, ben, je sais que vous partez de Nantes, mais ce n'était pas une raison pour nous prendre notre entraîneur. » Ah, je dis pourquoi? Parce que votre entraîneur, oui, c'est Vincent qui va à Nantes. Ah, ben, voyez-vous, je suis pour rien puisque vous me la prenez. Voilà comment j'ai appris la nomination de Vincent, qui était d'ailleurs un bon copain, mais j'étais totalement ignorant et en tout cas pas complice de cette chose-là. Et je... C'était quelque chose de terrible. Aujourd'hui, on pourra vous prétendre que non. Moi, je sais que oui, et c'est pourquoi ça a été... En fait, ça a été une nouvelle épreuve pour moi, très enrichissante aussi, de mieux connaître les gens, mieux connaître les hommes. Et que la confiance, en moi-même, je la maintenais, je la conservais. Je ne remettais pas du tout en question ce que j'étais ou ce que je faisais. Parce que la décision de ces gens n'intervenait pas du tout dans ces critères-là. Par contre, ça me permettait, moi, de prendre du recul et de mieux juger les gens, de mieux juger les hommes. Même c'est quoi le jeu à Nantes? Alors j'espère lui expliquer, ça va être trop compliqué. Je lui ai dit, au foot, on joue avec un ballon. Donc ton ballon, tu vas faire une passe à un mec. Mais pour faire une passe à un mec, il faut qu'il y en ait 3 ou 4 autours qui courent pour faire un appel, écarter la défense adverse, donner 2-3 solutions pour que l'adversaire se libère. Où est-ce qu'il va donner le ballon?
Et le jeu à Nantes, c'est qu'il n'y en a qu'un qui va recevoir le ballon. Donc ça veut dire qu'il y en a quatre qui ont couru pour rien. Mais ces quatre qui ont couru pour rien, il ne faut pas qu'ils se mettent dans la tête en disant « Putain, j'ai couru pour rien !» Parce qu'il va falloir qu'ils recommencent à courir. Et ils vont recommencer à courir, mais c'est pareil. Sur les quatre, il n'y en a qu'un qui va recevoir le ballon. Donc il y en a trois qui auront. Ouais. Et c'est ça, c'est retour. C'est pour ça que le jeu à Nantes, c'est pas qu'on était meilleur techniquement, c'est que celui qui avait le ballon, il avait plein de solutions. Alors après, c'était le talent de choisir la bonne solution. Et, oui. Hein, parce que, et celui qui faisait aussi l'appel, c'était le talent. Si le mec et si on peut lui mettre sur son bon pied, voilà, c'est pas mal aussi. Voilà. Et celui qui a le ballon ici, s'il regarde par là-bas, c'est pas la peine que le mec qui est derrière, qui sert à rien, se mette à faire un appel au sprint, il ne recevra pas le ballon. Il va avoir cette intelligence de jeu, et c'est ce qui vous apprenait. Moi, il ne m'apprenait pas ça, je vais plus faire les buts, mais ce que je voyais, quoi. Alors quoi, voilà, mais il ne m'a pas empêché de... Pas empêché de le faire. Tandis qu'il y a d'autres, il m'aurait dit, tu restes là, et puis tu prends ton ailier, et bah ça. Voilà, mais... Puis non, puis même, c'était quelqu'un de formidable, quoi, sensationnel. Et à chaque fois, quand on l'écoutait, tout le monde l'écoutait, ce monsieur-là. On l'écoutait, on le respectait. Mais il fallait pas ce qu'il était ingénieur pour faire... Moi, il y a des moments où je ne comprenais rien dans le jeu, là. Ah oui, c'était compliqué, son jeu. Jeu à 3, jeu à 4, jeu machin, jeu tout, jeu mal, machin. Quand vous êtes arrivé, c'était compliqué. Bah oui, j'étais... Et puis, il n'y avait pas que moi, hein. Et puis, ça, au bout d'un moment, ça a payé, hein. Je me dis, parce que nous, on joue au football. Ouais. C'est ce qu'il appelait les... Parce que je sais que... Dans la littérature, on voit qu'il parlait des gammes. C'est un terme que vous utilisiez, ça, entre vous, à l'entraînement ? Ah ben, quand il y avait, oui, des gammes, oui, quand on faisait des exercices, quoi, ouais. Qu'on répétait. C'est un exercice qu'on répète pour créer l'automatisme. Oui, quand ça allait pas, il arrêtait, top, bougez pas. Voilà, ben toi, t'aurais pas dû être là, toi, t'aurais dû aller là-bas. Et puis même... si c'est pas lui, lui dans son truc à José, c'est que celui qui avait le ballon, il fallait qu'il ait plusieurs solutions. Et il choisissait. C'est vrai, quand on a plusieurs solutions, on soit là. Alors, il fallait sans arrêt bouger. Et là, on faisait des gammes. On partait du derrière avec le ballon, tac, 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 jusque de l'autre côté. Avec adversaire ou sans adversaire ? Alors, des fois, il y avait sans adversaire, c'était tac, tac, bah, c'est... À une touche. À une touche, tac, 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 il vous parlait. Et puis après, il mettait deux adversaires. Et après, on était trois contre trois, après quatre, et puis voilà. C'était Michel Ribas qui faisait... Beaucoup avec le ballon, quand même. Comment ? C'était beaucoup avec le ballon. Au départ, on avait trois jours, on travaillait, enfin, quatre jours même, on travaillait deux sans ballon, et puis autrement avec le ballon. Mais toujours des déplacements, il fallait se déplacer sans arrêt. Même si jamais on s'arrêtait, on n'a pas vu quoi, ils nous engueulaient. Ah, ils vous engueulaient. Ah non, ben ça, c'était... Là, c'était primordial. Il fallait provoquer, justement, pour que les joueurs, pour que les autres défenseurs ne puissent pas nous convaincre. Et si je comprends bien, il y avait des séances, c'était, vous étiez dans des duels, oui. Vous deviez, par votre capacité à vous démarquer, oui. Par le déplacement, à créer l'espace. Voilà, exactement. Sans le ballon. Ah, sans ballon. C'est-à-dire, c'est de la simulation, pure et simple. Ah, ouais. Et puis après, c'était surtout sur les lignes 2, travailler beaucoup les lignes 2. Jouer sans contrôle. Ouais. Alors, c'était pas toujours évident, mais c'est vrai que sans contrôle, c'était plus rapide, c'était plus vif. Mais il fallait que les gens se déplacent, enfin, que les joueurs se déplacent le mieux possible. C'est pour ça que jouer sans ballon, c'était au départ important. Ouais. C'était des fois,
Les entraînements, on trouvait ça un peu long parce que jouer sans ballon, c'était pas évident pour notre ouais. période. Et puis on avait une journée de travail physique. Physique, ouais. Ça, c'était une fois par semaine, donc c'était le mardi. Et ça, c'était et le parc de procès. Ouais, parc de procès. Ben, moi, j'ai connu que le parc de procès. Là. Si après, j'ai connu après. Les montagnes, les descentes, les montagnes, les descentes. Et là, vous faisiez du fractionné aussi, c'est ça? Oui, beaucoup. Et apparemment, à l'époque, ça se faisait pas trop. Hein. C'était... Non, c'est M. Arribas qui avait programmé ça. Hein. Bon, moi, il n'y a jamais eu de problème de répartition des tâches entre nous. Tout s'est fait tout à fait normalement, tout à fait logiquement, à partir du moment où l'esprit y était. C'était très facile. Tout un chacun faisait preuve d'abnégation, de générosité. Et puis le but était de faire valoir au maximum les réelles qualités de l'un ou de l'autre. Le brillant était plus chez Jackie. La fantaisie chez Ramon. Moi, j'étais un peu plus, je dirais pas l'obscur, mais celui qui amenait les munitions. C'est vrai qu'on plaît un peu plus aux journalistes quand on est brillant ou fantaisiste que celui qui apporte. Mais là, encore une fois, c'était un des éléments qui m'ont apporté beaucoup quant à ma profession d'aujourd'hui. C'était quelque chose d'extraordinaire dans la mesure où d'abord c'était nouveau et à partir de là il fallait bon, donc y croire beaucoup et on avait un entraîneur José Arribas qui était un petit peu le promoteur avec Domergue en France de ce système. En fait il faisait intervenir dans la défense des qualités d'ordre et des qualités intellectuelles qui surprenait les équipes adverses. Et je sais que pendant les deux ou trois premières années, ça a été une réussite tout à fait exceptionnelle, le temps que les autres équipes comprennent et trouvent la parade à ce type de défense. Enfin, il fallait des hommes assez exceptionnels, notamment un gardien de but qui très efficace. Oui, ça demande vraiment une conjonction de plusieurs éléments. Ce gardien de but capable de jouer loin de ses buts et sortir au devant d'un attaquant qui, pour une fois, n'aurait pas été signalé hors jeu. Une excellente entente entre les quatre défenseurs dans la mesure où ils devaient s'aligner, et c'était très important. Et aussi un meneur de défense quant à l'alignement à la sortie ou à la rentrée, poste que je devais occuper et qui finalement m'a permis peut-être de rejoindre l'équipe de France alors que l'ensemble de mes qualités sans doute ne me le permettait pas. Je pense que c'était un entraîneur qui était très intuitif. Et que ce soit par rapport au jeu, par rapport à la préparation physique, on faisait plein de choses. Après, on faisait une séance, par exemple, dans la tribune à procès. Je ne sais pas, tu la situes, la tribune de procès, la vieille tribune en bois? Non, pas du tout. Tu ne connais pas? Non. Elle est peut-être toujours là, d'ailleurs, ça devrait être un monument. Il pourrait l'appeler tribune José Arribas aussi. Parce qu'on faisait une séance qui durait au moins trois quarts d'heure. C'était où, dans le parc de procès actuel? Non. La tribune principale, qui est une petite tribune du stade de procès, s'il existe toujours ce stade. C'est pas du tout. Elle était peinte en verte à ce moment-là. Je sais pas si ça existe toujours. Bon, on est un mètre, hein, je peux peut-être. Ouais. Et on était dans la pliométrie. On connaissait pas le terme, hein. Lui non plus, forcément. Et donc on arrêtait sur une jambe, sur deux jambes, on montait, on sautait les petites marches, les grandes marches et tout. Et ça durait une heure. Bon, toi, de ce travail-là, alors comment il avait imaginé ça? Après, moi, une fois que je suis devenu entraîneur, je me suis aperçu que tu t'adaptes. Des fois, tu utilises des choses, puis finalement, après, tu dis, bah oui, ça me permet de... ça. Ouais. Quelque part, tu le justifies après. Ouais. Au début, tu fais à l'envers, ce qui n'est pas bien. Mais bon, en l'occurrence, il y a des fois où ça marche. Mais il avait cette... Et dans le jeu, je crois aussi, parce qu'on faisait plein de choses, d'exercices et tout, bon... Si tu veux, je crois qu'il mettait beaucoup de thèmes. Et les thèmes, ça t'oblige à prendre des infos. D'accord. Donc ça formait, pour moi c'est ça que j'appelle l'intelligence tactique.
ils appellent la tactique. Alors après, tout se mélange dans le foot aujourd'hui. La tactique, c'est pas l'organisation. C'est, pour moi, c'est complètement différent. Il y a s'organiser, se mettre en 4-4-2, en 4-3-3, etc.